Bonjour tout le monde, je suis Réus et aujourd'hui nous retrouvons pour un nouveau rétro avec Punch Out. Un jeu extrêmement connu, si ce n'est le plus connu de la NES. Où le but est extrêmement simple, il s'agit juste d'une simulation de boxe. Où nous devons vaincre tous les boxeurs ainsi que le grand Mike Tyson. C'est pixelisé. Bien, sur ce, on va démarrer une petite partie. Les contrôles sont extrêmement simples. Droite et gauche. Droite, gauche pour esquiver. Bas pour bloquer. Et haut pour frapper. Haut pour frapper à la tête. Donc, AB correspond à une touche de frappe. Et haut pour frapper au niveau de la tête. Et sans les touches de direction pour... excuse-moi parce que j'ai un petit peu mal à la gorge. Et si vous ne touchez aucune touche de direction juste A et AB, ça frappera au niveau du bassin. Sur ce, le premier combattant qui est le plus simple de tous. Et je vous montrerai bien sûr un autre coup. Alors, il n'y a pas de pause dans le jeu. Et, vous voyez, droite, gauche pour esquiver, bas pour bloquer et... Oh, pour frapper au niveau de la tête. Attends. Ce que vous voyez ensuite à l'interface... Aïe. Au niveau de l'interface, ce que vous voyez... Ouais, je joue Superman. Il y a un nombre d'étoiles. Les étoiles, je vous montrerai ça dès que j'en aurai une. Attention, je vais essayer de bloquer. Voilà. Voilà, ça fait très mal. Les cœurs, et bien c'est le nombre de fois où je me fais frapper. Je vais essayer de plus en perdre. Vous voyez, la barre à gauche, c'est la mienne. Et celle qui est tombée, c'est celle de l'adversaire. À chaque fois que vous marquez des points, enfin, à chaque fois que vous le touchez, c'est 10 points. Et le round, ainsi que le timer de 3 minutes. Le jeu consiste juste à être attentif. Voilà, là j'ai étoile. Alors attention, maintenant, en appuyant sur Start. Je lui enlève pas mal de points de vie. Voilà, attention. Ah, fin du round. Les rounds se jouent toujours... Enfin, les matchs se jouent toujours à 2 ou 3 rounds. Et là, vous avez entre chaque round des petits conseils. Vous devriez éviter ses coups puis contre-attaquer. Et lui qui dit, c'est mon dernier combat, je suis trop vieux. En même temps, une victoire, 99 défaites. C'est parti pour le deuxième round. Et bien sûr, tous mes stats sont revenus. Ah, normal, je n'ai plus mon étoile. Oh, mal joué ça. Hop. Voilà. Deuxième KO. Alors, soit vous gagnez par un compte de 10, soit par un triple KO. Voyez, un petit coup critique, ça n'arrive pas souvent, mais quand ça arrive, vous êtes content. Voilà, si je le remets encore une fois, j'ai gagné. Toujours intervertir entre les boutons A et B, et j'ai utilisé mon étoile avec le bouton Start, ce qui fait que j'ai mis un coup assez puissant et j'ai gagné. Le premier match, vous le gagnez facilement. Voilà. Ensuite, deuxième combat contre Von Kaiser, qui vient de la... Alors, attendez, République fédérale d'Allemagne, et notre héros qui vient, eh bien, du Bronx, qui va ressembler à Mike Tyson. J'ai pas lu la biographie de... Enfin, j'ai pas lu du tout l'histoire du jeu, mais j'ai eu pas mal de joueurs et joué. Bien sûr, pas mal de joueurs à jouer, tant que j'en ai assez, mais quelques tasses sur ce jeu, oula. Bien sûr, chaque personnage a ses propres coups. Il faut toujours s'en prendre au moins une pour comprendre comment ça marche. Aïe. Une étoile.
Oh, il m'a contré. Aïe. Ouh, un hypercute évité de justesse. Voilà. Ce jeu est assez complexe. Il faut bien l'avouer. Surtout contre le dernier combattant. Un hypercute d'esquiver. Hop, esquive. À chaque fois, ils ont des espèces de tics. Ouais. Et sur brille un petit peu en violet. Hop, j'ai une étoile. Je lui cale mon hypercute. Ah, dommage. Vraiment dommage. D'ailleurs, je me demande pas si en chargeant mon super coup. Ah, fin du round. Tant pis. Je me demande juste si j'appuie pas à mort sur les frappes sont minables comme toi, je t'emmerde. Si je spam le bouton entrée, est-ce que ça donne un coup un peu plus puissant au niveau de la force? Je vais essayer ça. C'est parti. Hop. Voilà. Ah, zut. Voilà, quand il faut lancer l'attaque, ne jamais attaquer au niveau du ventre. Bon, lui aussi, ce sera en 3 KO. Voilà. 3 KO, c'est fait. Ah non, 3 KO durant le round. D'accord. Si c'est le jeu qui le décide. Voilà. 3 KO, normalement, ça devrait être bon. Voilà. Je vais quand même essayer de vous montrer le, je vais vous en montrer le plus possible, mais de ne pas vous spoiler trop le jeu. Donc là, finale du circuit mineur. Vous avez 4 circuits dans le jeu, et à chaque fois, oula, alors, piste Honda de Tokyo. 26 défaites, 26 victoires, une seule défaite, 18 par KO. Et donc très probable que je meure sur ce match. Donc analyser ses coups. Essayer de... Voilà. Une étoile. Ouais, c'est bien ça. En frappant... Enfin... En insistant sur le bouton start, je peux sortir mon coup puissant avec plus ou moins d'énergie. Ah, alors attention. Attention, gagné. Voilà, ça c'était une petite coup assez spécial où vous pouvez le contre-attaquer. Ah, ah, dommage. Dommage. C'était bien parti. Et là j'ai une étoile. Esquive. Super coup. Esquive. Aïe. Celui-là je l'ai cherché. Celui-là aussi je l'ai cherché. Là. Voilà. Deuxième KO. À chaque fois c'est un peu plus dur. Attention. Oula, 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 oula. Ouh, fin du round. J'étais pas grand chose de me faire battre. Alors écoute, Mac, casse sa garde, sonne-le. Très bien. Puis venge-toi. Moi, tu m'étonnes. Oui, le jeu est raciste. Et avec une faute d'orthographe, sushi, ça ne s'écrit pas avec un C. Donc là, si je me prends encore un coup, vous allez voir qu'il va falloir que je martèle le bouton haut pour pouvoir revenir dans le match. Voilà, alors attention, spammer le bouton haut. Ah non. Faut spammer les boutons A et B. Je me suis trompé. Et j'ai perdu mon étoile à cause de ça.
Aïe. Voilà, attention. Aïe. Aïe. Alors, je parle, c'est le deuxième KO déjà. Je vais quand même essayer de le battre. Ce serait un peu con que je perde. Putain, ouais. Voilà, esquive. Voilà. Faut que je survive. Sinon, je meurs comme une... Sinon, je vais comme une... comme un mauvais combattant. Voilà, ça joue bien, ça joue bien. Voilà. Je vois pas grand chose de me faire battre là. Ah, attends droit, un KO. Ah, oui, le KO. Incroyable. Incroyable. Je viens de gagner par un KO. Victoire par KO, nouveau champion. Vous avez votre temps aussi, mais ça sert un petit peu à rien, franchement. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter. Sur cette superbe musique et cette cinématique incroyable d'entraînement de Mark. J'espère que ce rétro vous aura donné envie d'y jouer. Pour ma part, je vais continuer. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas, comme d'habitude, de laisser un petit like, de commenter la vidéo et de me donner vos idées de jeux rétro. De vous abonner à la chaîne. De me suivre sur Twitter, @rails1. Bon jeu et à la prochaine !